Salut les amis, c'est Kirkman SP. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo, vidéo passage au Prestige 5 sur Advanced Warfare. Donc, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait assez longtemps que je ne vous avais pas présenté de passage au Prestige, puisque la dernière fois, c'était le passage au Prestige 4 et ça fait maintenant une semaine. Donc, ça faisait assez longtemps et vu que là, je suis Prestige, enfin, je suis là à l'heure actuelle où je fais la vidéo, je suis Prestige 5 et je vous ai fait une petite vidéo passage au Prestige 5 comme à l'accoutumée. Donc voilà. Donc, là prochainement, je vais acquérir un Avermedia Live Gamer Portable Lite. Donc, je pourrais vous faire plus de vidéos comme avant. Donc voilà, les classes avec lesquelles j'ai joué. Notamment pendant ce Prestige 5, donc vous pouvez voir la KF5, j'ai pas joué beaucoup de temps avec cette arme-ci, j'ai pas joué je crois dans le Prestige 4. La K12, j'ai mis la variante, la Bleeder, qui a plus de en dégâts, ça peut être pas mal, même si j'ai peut-être fait une partie avec en vitesse. L'HBRA3, j'ai pas joué beaucoup avec, je crois que moi j'ai même pas joué avec, j'ai juste débloqué un camouflage, celui-là qui est dessus là. L'Atlas, j'ai fait 2-3 parties avec, bon, ça m'intéresse pas trop. Et la SMAC, j'ai joué avec puisqu'ils ont fait, un, ils ont, enfin, ils ont mis une mise à jour, enfin, un patch de puissance, et qui, tout simplement, l'arme maintenant est beaucoup mieux. Franchement, ils ont bien réglé la puissance dessus et elle est franchement. J'ai débloqué pas mal de camouflage sur cette arme aussi. Et vous voyez que j'ai un peu changé mes keystrikes, je les ai un peu modifiés. L'Amélie, la batteuse, j'ai pas joué avec. Et la SN6 The Third en élite que j'ai débloqué récemment. Qui est un peu mieux que. Enfin, qui est beaucoup mieux que la SN6 basique. Donc voilà. Pour les classes avec lesquelles j'ai joué. Donc, je vais tout de suite vous montrer mes cartes d'agent. Cartes de visite. Donc, j'ai pas débloqué beaucoup de cartes de visite pendant ce Prestige 4. J'ai débloqué quelques cartes de visite d'armes. Comme vous voyez, j'en ai débloqué une, c'est celle de la SM1. D'accessoires aussi. J'ai pas débloqué beaucoup de choses. En carte de visite, j'en ai encore beaucoup à débloquer. Donc, j'en ai pas trop débloqué. Donc, voilà. J'ai pas trop quoi vous dire. Donc là. Voici mes stats, j'ai un peu monté mon ratio. Vous pouvez voir que je suis à 1,13 de ratio, c'est ce qui est beaucoup mieux. Quand même, un bon petit 1,13. Bah, après, c'est pas énorme, mais bon, moi le ratio, je ne joue pas, donc quand je vois qu'il monte, je suis quand même content. Donc voilà les modes de jeu dans lesquels j'ai joué. Le plus que j'ai joué, c'était en élimination confirmée. J'ai joué vraiment pas mal dans ce mode de jeu-là. J'ai quand même pas mal saigné ce mode de jeu pour l'instant. Et les armes avec lesquelles j'ai joué durant ce Prestige 4, c'est surtout la SM1 que j'ai beaucoup joué. Et ouais, beaucoup beaucoup la SMA, je dirais 95% de la SMA. Donc voilà, bah en carrière, ça va. Je suis à 3 jours, 3 heures et 19 minutes de jeu. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un Prestige 5, je trouve, c'est pas énorme, mais ça va encore. Et bon voilà, j'ai quand même bien joué la semaine, là je suis à déjà 12 heures de jeu en semaine. Donc, en IMS confirmé, là pour l'instant, je commence bien à me classer. Et en semaine, je suis quand même très bien classé puisque je suis 98e mondial en semaine. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien geeké en EC, enfin en élimination confirmée pendant cette semaine. Donc voilà, là c'est les armes, enfin, les accessoires que j'ai débloqués, les armes, les accessoires. Je crois que j'ai débloqué 2-3 trucs. Un exosquelette et une arme et un accessoire, mais bon après ça, on s'en fout un peu. Donc voilà, passage au Prestige 5. Donc, comme récompense permanente, je ne sais pas ce que je vais prendre. Je voulais prendre la SM1, mais bon, les level 10, ça sert à rien que je la prenne. Hein. 2-3 parties et je vais la débloquer, donc, il n'y a pas d'intérêt à ce que je la débloque. Donc, je pense pas que je vais débloquer une arme, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'armes qui m'intéressent. Et les armes qui m'intéressent, je les ai déjà débloquées, à part la SM1. Et vu que c'est au niveau 10, ça va. Les grenades, les atouts. Non, les atouts, ça m'intéresse pas pour l'instant. Moi, enfin, je pense que je vais débloquer une série de points et je vais débloquer ouais, le piratage système. Piratage système qui est plutôt pas mal et que j'ai joué même pas mal de fois avec dans ce Prestige 4, donc je vais le débloquer. Voilà, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like et pourquoi pas commenter. Salut à tous, c'était Cartman SP.